Rien du tout. Va-t'en tout de suite. Tu cherches la recette de la poitrine fumée. Ah, tu vois quand tu veux, t'es malin. Je t'ai dit de sortir d'ici. Je dirais rien, j'aurais craché. Ok, aide-moi à chercher. Ouh. Tu l'as trouvée? Non, c'est sa recette de pain perdu. C'est pas celle-là que je cherche. Ouais, n'empêche qu'il est super bon. Tu savais qu'elle mettait de l'extrait de vanille dans la crème fouettée? Non, j'en savais rien. Un quart de cuillère à café? Georgie? Ouais. Poitrine de bœuf fumé! On se calme. On est rentré! Reste cool. C'est plutôt à toi qu'il faut le dire. Ah ouais, super cool. T'as besoin d'aide avec les enfants? Non, je te remercie, je m'en suis occupée toute la journée, je devrais pouvoir m'en tirer. Oh, s'il te plaît, joue pas à ça. Je joue à quoi? J'ai rien dit. Au cas où ça t'intéresse, Sheldon et Missy ont gagné la course à trois jambes parce qu'elle lui a dit qu'une guêpe les poursuivait. Et tu n'étais pas là. Désolée, j'ai eu besoin de mettre ta mère entre parenthèses. Oui, mais ce que t'as mis entre parenthèses, c'est ta famille. Elle va durer encore combien de temps, votre engueulade? Ça, ça dépend d'elle. Toi et ma mère, vous êtes... Vous êtes bornés de vraies têtes de mule. Missy, va immédiatement au lit. Comment tu sais que c'est moi?